Je suis à
Ma vie est parfaite quand je suis à tes pieds. Saint-Esprit, inonde mon âme. Inonde mon cœur, Jésus. Inonde mon cœur, Seigneur. Inonde mon cœur. Quand je suis à tes pieds, Saint-Esprit, inonde mon cœur. Je me prescris la route du ciel. Place-moi, Seigneur, au lieu pire.
Les cantiques que nous venons de chanter, Isolobake, Motoazana Zé. Mes yeux regardent les choses d'en haut. Et Nanonatondi Makambangote Bozino Yanzambeliki. Et je n'ai pas encore atteint réellement ces choses, les profondeurs de Dieu sont vraiment grandes. C'est pourquoi Nakata Doyen Bazolba, j'ai pris toujours. Nazali Kosambela Tangoïs. Seigneur. Colo, place-moi dans le lieu plus haut. Place-moi au lieu plus haut. Otikanga na biloka mike mikete biloka mokili. Ne me laisse pas dans les petites choses du monde. Préoccupations ne sont pas comme moi mabele. Que mes préoccupations soient les choses vaines. Que Satan aba match. Que tu épuises tout ton temps dans les matchs de football. Dans les films, ce qui a banni. Dans les séries, nouvelles. J'ai pris que tu me places dans les lieux plus hauts. Nasali, tu l'as été au tiangai, ainsi que l'équipe Makolo ngayo nasali nasé. Et alors, mon cœur ne désire pas rester. Mouté manangezo sepelate koti kala. Nani posa neza zang enlèvement. Qui sont souciés de rater l'enlèvement? Mon cœur ne désire pas rester. Mouté manangezo sepelate koti kala. Mais la bonzo tombo enoko la nasa na faiblesse. Mais dans la chair comme je suis dans le faiblesse. Ata tout tes os s'élever. Même si les doutes s'élèvent en moi. Ata mouté mes os bêta mangasse. Même si mon cœur bat plus fort. Mais ma prière. Seigneur, je viens. Les soucis dans le Seigneur. Il a dit mon souci, oh Dieu. Je vais atteindre les sommets. Ce qui n'azotanga, il y a tambola qui boye. Si je marche où je lis la vie d'Élie, via Samuel, la vie du prophète Samuel. La vie des sœurs ou des mamans qui sont dans les Écritures. Je vais atteindre ces sommets. Je vais atteindre les sommets. Même si la promesse de Dieu est que nous nous rendions un jour au ciel. Mais comme je suis sur la terre, Seigneur, réjouis-moi avec les choses célestes. Avant d'atteindre les sommets, les ciels, j'ai pris. Seigneur, mène-moi dans les lieux très hauts. Mais na bisikele ki makolo. C'est une belle prière. Que le chantre est en train de chanter suppliant le Seigneur. Et nous savons que ça,
les souhaits à tous les saints. Et nous savons que c'est ça même le souhait de tous les saints. Que ton cœur se réjouisse aux choses célestes. Et qu'il ne puisse pas s'attacher aux choses terrestres. Et c'est ce que dit ce cantique. Vraiment que Dieu te bénisse. Vraiment que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Et que cela soit de plus en plus ta prière. Il ne faut pas demeurer toujours dans les soucis. Que je puisse obtenir un avion. Comme une industrie. Que je puisse obtenir une industrie. N'asomba 20 super wax. Que j'achète 20 pagnes super wax. Je prie toujours, mène-moi dans les lieux très hauts. Nazali ko sambe la tango iso me manda une sika ya likolo. Ya bonde le kinyos. Et c'est ce qui est plus que tout. Que le Seigneur assiste que ton cœur puisse plus désirer les choses célestes. Que tu puisses voir vaines les choses de la terre. Parce que tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Le Seigneur alors qui est Marie et Marthe, Marthe t'inquiète de beaucoup de choses. Alors qui était malade, vous allez na commis tout dit ça pour na makambo. Qui t'inquiète, qui t'agite de beaucoup de choses. Vous allez na commis tout dit ça, commis tiens na mon boulot pour na makambo. Une seule chose est nécessaire. Et loco manco kaka des alimentuya. Une seule chose. Kaka manco. Dans le bas qui a mis à moi y a qui l'a mis logo. C'est lui qui l'avait dit, c'est le créateur de toutes choses. C'est lui qui t'avait créé. C'est lui qui avait dit qu'une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Marie a puni les boules qui tombent. Qui ne lui sera point ôté. Et cette part, c'est écouter la parole. C'est ça la chose nécessaire. Il y a mon déloco, il y a mon tout, il y a coléka. Il faut yokakanakatno l'empressement, il y a coléka la parole. Il faut sentir en toi l'empressement d'écouter la parole. Otika kabiloko nyoso makamunyoso bozo salamen. Au monter pour adorer. Que tu abandonnes toutes tes préoccupations et monter pour l'adoration. Vraiment, ils ont la coutume na yo. Et que cela soit dans tes habitudes. Et Dieu te bénisse. Amen. Toujours dans notre lecture. Nous allons lire nos textes. Pasteur, c'est pas pour les moyens. Aujourd'hui, Écriture et Apocalypse 6, versets 12 à 17. Apocalypse chapitre 6, le verset 12 à 17. Nous en avons 6e saut. Nous sommes déjà dans le 6e saut. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. J'ai regardé quand il ouvrit le 6e saut. Il y a un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grain. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier s'éboué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles firent remuer de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu.
Et qui peut subsister? Que Dieu bénisse cette lecture du salat au profond. Que le Seigneur bénisse la lecture que nous venons de faire. N'attends déjà Tobandaki Kokota sur les tremblements. Le matin déjà on avait introduit sur les tremblements de terre. Parce que tu remarques qu'il y a un verset 12e dans le 6e psaume au Banda. Parce que nous avions remarqué au verset 12, au début du 6e psaume, il y a un grand tremblement. Maintenant, tu l'as vu en haut parce que l'écriture est bécibiso. On l'avait cherché parce que l'écriture nous dit. Ecclésiaste 1, verset 9 à 10. Nous avions pris Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9 à 10. On a balobi o ezala ki yango kaka ndeko za. Là-bas, on nous dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Et tout ce qui aussi Ecclésiaste 3, verset 14 à 15. Et on avait pris aussi Ecclésiaste 3, le verset 14 à 15. Yango tomo na likambuelo bami na Apocalypse. Avant que nous voyons la chose qui est dite dans le livre d'Apocalypse. Le Seigneur l'avait déjà dite dans le livre des anciens prophètes. Et encore, tu as remarqué que le sixième saut. C'est pourquoi nous remarquons que le sixième saut par un grand tremblement. Commence par un grand tremblement de terre. Dans les livres des prophètes. Alors on avait cherché ces tremblements de terre dans le livre des prophètes. Totanga qui Agé 2. On avait lu les livres du prophète Agé chapitre 2. Tantozoki Agé chapitre 2. Lorsque nous avions pris Agé chapitre 2. Totanga d'abord dans Agé 2. On avait d'abord montré dans Agé chapitre 2. Qu'est-ce qui va se passer dans Agé chapitre 2? On avait besoin de prendre le verset 6 jusqu'au verset 9. Mais tu utilises qui n'a le verset 22e. Mais on avait d'abord utilisé le verset 22. Nous les lisons au nom de Jésus-Christ. J'ai renverserai le trône des royaumes. Et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattis. Comment cela va se passer? La dernière portion, il y a verset 22. La dernière portion du verset 22. L'un par l'épée de l'autre. Il y a un peu de ce sera les hommes en alliance. Donc nous pourrions prendre l'exemple des nations qui sont en alliance pour faire une chose. Mais le Seigneur installe le trouble parmi eux. Et ils commencent à s'entretuer. C'est ce que prophétie au Yélobi, verset 22e. Dit cette prophétie au verset 22. Il y a Agé 2. Agé 2. Ah ouais, tu as remarqué, Nini. Ici, qu'est-ce que nous remarquons? Je renverserai. C'est qu'à le bien on a futur. C'est que le Seigneur l'a dit au futur. Et Koyaka. Donc ce sont des choses qui arriveront. Donc, au Yézamba Lobi, c'est que le Seigneur a dit. Cela veut dire le Kamouéza. Cela veut dire la chose est. Existe. Donc ils ont un trône moko. Donc il y aura un trône. Et vous avez un licolo y a pas trône nion sur les anamabélé. Qui sera ou qui est au-dessus de tous les trônes qui sont sur la terre. Trône on a des ambas pour renverser. Et ce trône là au-dessus de tous les trônes, c'est ce qui sera renversé par Dieu. C'est gazoloba. Ah. C'est ce qu'il dit ici dans Agé. Il faut qu'on boye Romains chapitre 8e lobi. Il faut savoir ce que dit Romains chapitre 8. Romains 8, le verset 28. Romains chapitre 8, le verset 28. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Romains 8, verset 28. Notre Dieu Romains 9. Le verset 28e.
Romains chapitre 9, le verset 28. Oui. Romains 9, verset 28. Tout en y a mon accompagnement Jésus-Christ. Amen. Car le Seigneur exécutera pleinement. Oui, t'es kolo akoko kisaka namobimba. Et promptement. Sur la terre, Namabele, ce qu'il a résolu. Oyoye akani kosala. Et le Nzambe a bonga a bongisa. Ce que le Seigneur a résolu de faire, et kosale mana mobimba na yango ndamute, ça accomplira pleinement et non en partie. Si kazo ba pleinement, na mobimba et promptement. Pe na lombango. Nyoso ya bongisi, tout ce sale mana mabele. S'exécutera sur la terre. Yango moni touti komona na Agé 2 verset 22. C'est pourquoi on vient de voir dans Agé 2 le verset 22. Zambé annoncé kakokwe sa trône au ezali kola ba royaume nyo sa terre. Le Seigneur a annoncé qu'il va renverser le trône au de qui est au-dessus de tout le royaume. Trône wana, c'est trône là bien-aimé. Yango nde na zakota et sebino tango nyo puissante. C'est ce que je vous montrais à tout moment comme la puissante nation du temps. C'est pourquoi AGT aussi en parle. Trône wana, c'est la puissante nation. Dans Apocalypse 13, tu remarques une bête au-dessus des eaux. Au verset 1er. Dans Apocalypse 17, le verset 18. Dans Apocalypse 17, le verset 18. 17 au verset 18. Apocalypse 17, le verset 18. Et la femme que tu as vue. Et moi, si oyo moni. C'est la grande ville. Ezali ngumba moni. Qui a la royauté. Oyo azali na bokonzi. C'est le roi de la terre. Nicolas bakonzi ya mabele. Voilà ce que cette femme oyo de yendazana trône. Donc c'est cette femme qui est sur le trône au-dessus du royaume de la terre. C'est ce qui Apocalypse 17, verset 18 et 18. Et c'est ce que nous dit Apocalypse 17, verset 18. Maintenant, pour comprendre quand même que Nzam va promettre à Kokwe sa trône. Maintenant, nous comprenons que le Seigneur a promis de renverser ce trône-là. Et trône-là, ils ont dominé le royaume de la terre. Et ce trône-là domine tout le royaume de la terre. Il y a mon azon qui mène dans verset 6e, dans 7e, dans 9e. Il y a Agé 2. Je retourne au verset 6 et 9 de Agé chapitre 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que tout ce qui est le tremblement. Parce que nous allons voir si ce sont, c'est le feu du volcan qui emprunte ses chemins. Le tremblement, c'est les mangas partout. Et les tremblements se font partout. Mais ce n'est pas ça le sixième jour. Et ils allaient en bon d'été dans la motoba. Et il y a encore toujours tant qu'en menant à G2. C'est pourquoi à partir du verset 6e. Agé chapitre 2, le verset 6. N'attends pas qu'à boire malembe malembe ponani. Pourquoi je lis lentement comme ça les Écritures? C'est la responsabilité que j'ai dans l'œuvre. Ezali mokumba oyo nazali nango na mosala nzambe. Par souci ya kosonga pe bato mosusu baloba bien. Par souci aussi d'aider d'autres personnes à bien parler ces choses. Yango tozalaka pressé, pressé. C'est pourquoi nous ne sommes pas pressés, très agités. Pressé. Tu seras pressé, qu'est-ce que cela va produire? On dirait que tu es dans le stade. Souci est avec l'enseignement sur les pessami. Le souci est que lorsque l'enseignement est dispensé, mon doigt a un argument sûr et aucun écolo bango. C'est la personne ait des arguments sûrs et solides pour aller aussi les dire aux autres. Et tant que nous travaillons, et lorsque nous travaillons, nous en a besoin que Moutounion sautant à nous vérifier les écritures même à la maison. Nous avons besoin que lorsque chaque personne vérifie les écritures à la maison. A remarqué que le témoignage que tu bessi est vrai. Qu'il remarque que les témoignages que nous avions donnés sont vrais. C'est ça qui n'a pas enseigné la c'est parole. C'est ça le rôle ou le but d'enseigner la parole. Parce que 2 Timothée 3 verset 16 nous dit. Parce que 2 Timothée 3 16 nous dit. Toute écriture est inspirée de Dieu.
communion se peut mettre la mine ensemble. Est-il pour enseigner? Les animaux tout y a pour la côté. Dans besoin enseigner. Lorsqu'on enseigne, bah utilise la écriture. On utilise les écritures inspirées de Dieu. Aux alternatives à eux on a eu qu'à battre nous sous américain. Il ne faut pas avoir l'enseignement que j'ai entendu chez certains prédicateurs américains. Ce que je dis n'est pas une écriture. Mais entre les lignes. Il faut tant besoin d'interpréter une chose. Il faut que lorsque tu interprètes une chose, bien aimé, il faut qu'il y ait des témoins. Il y a besoin de Jésus qui est la parole. C'est pourquoi Jésus qui est la parole. Azakolo banatina ya makambo akende ko accomplir na Jérusalem. Il parlait au sujet des choses qu'il devait aller accomplir à Jérusalem. Azakolo imsango ba disciple. Il le disait à ses disciples. Mais Singeli étant la parole, mais il fallait que lui étant la parole, il faut qu'il témoigne ça. Il faut qu'il y ait le témoignage de la parole. C'est pourquoi Moïse et Élie baya. C'est pourquoi Moïse et Élie étaient apparus. La transfiguration. Lorsqu'ils s'étaient transfigurés, ils ont parlé la même chose que Jésus leur disait. Abaluba qui est le comment kokako Yeshua salaka koemi sabango. Élie a comme signe à tous les prophètes. Élie représente comme tout le prophète. Et Moïse comme la loi. Et Moïse comme les signes de la loi. Baillez pour soutenir la parole. Ils sont venus soutenir Jésus la parole. Pour parler de la parole, il faut utiliser les prophètes et la loi. Bona koloba lino mesenge le sal et la masakoli pemobe kona mose. C'est ce que Jésus a fait à Salali Kabwana Pambate. Et Jésus n'avait pas fait ces mouvements-là en vain. La chose t'a besoin de confirmer encore. Lorsque tu confirmes une chose, il faut que les prophètes témoignent. Il faut que les prophètes puissent la témoigner. La loi est témoignée. Que la loi aussi la témoigne. Parce que la loi est aussi prophète. Parce que la loi aussi est un prophète. D'après Matthieu 11, verset 13. Et le dit, la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Ont prophétisé. Cela veut dire, la loi a prophétisé. Donc, mon béco est sakola. Donc, la loi n'est que pesée à Moïse. La loi telle qu'elle était donnée par Moïse. Et l'homme même a quand Apocalypse. Elle a même parlé des choses qui viendront dans Apocalypse. C'est ça Matthieu 11, verset 13. C'est ça Matthieu 11, le verset 13. La loi a prophétisé. Mon béco et sa colaka. C'est pourquoi Hébreux 10, verset 1er. C'est pourquoi Hébreux 10, le verset 1er. Et Zoloba que la loi possède Mbeko Ezali l'ombre des biens à venir. Et Ezalina Elilingi Yamakambo Yamalamu Oekoya. Donc ce qu'on suit par loi. Donc si tu prends le loi de Moïse, Nakati Nayango. Donc les lois là, il y a des biens à venir. Ezalina Biloko Kitoko Malamu Esengeli ya. La loi annonçait des biens à venir que nous avons aussi aujourd'hui. Et Dieu bénisse. Amen. Et ça aussi, la loi comme sacerdoce. Mais il y a aussi la loi comme le sacerdoce. Où on s'en va mettre fin. C'est la loi sacerdotale. Mais la loi boyza prophète. Kasi mobeko pe boyza li pe mosakoli. Soko comprendre yango te kokote ya mabeba livre Apocalypse. Si tu ne comprends pas toutes ces nuances, tu vas mal prêcher ces livres d'Apocalypse. Soko comprendre bien que la loi et les prophètes. Si tu ne comprends pas la loi et les prophètes, oko souffrir makasi. Tu vas beaucoup souffrir. C'est pourquoi tu vas voir certaines personnes par manque à compréhension. Ils pensent qu'au jugement dernier, il y aura d'autres gens qui seront sauvés. Là, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la loi.
Amen. C'est sa souffrance. C'est ça sa souffrance. Parce qu'il a vu qu'on a ouvert beaucoup de livres et un autre livre qui est le livre de vie qui fut aussi ouvert. C'est pourquoi les gens chantent. Et dans leur chant, et puis les chantent de lui-même. Lui-même, Michel, que son nom n'a pas été retrouvé dans les livres de vie. Regarde les sortes des églises. Bisotosa, banaoui, bazo comprendre que quand tu persévères dans la foi, nous nous sommes les enfants qui comprennent que lorsque tu persévères dans la foi, nous avons confirmé les saluts que Dieu m'a prédestinés avant la fondation du monde. Nous confirmons les saluts que Dieu nous avait préparés avant la fondation du monde. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, yango omoni tantozo le bela sur sixième saut. C'est pourquoi lorsque nous parlons sur le sixième saut, total et cinquième verset 16e. Nous avions montré au verset 15 et 15 qu'Esaïe 6e saut, la colère de l'agneau. Le scandale. Sixième saut est résumé par la colère de l'agneau. Yango va répéter dans verset 17e. Et c'est ce qu'on a répété au verset 17. Les grands jours de sa colère. Mokolo monene akanda na ye. C'est sa sixième saut. Yango ne ndanga mutuba. Mais là, tout ce que nous pouvons remarquer, makambuiza kuna na kati. Maintenant, on va remarquer les événements qui sont à l'intérieur. Nous avons remarqué, nous remarquons la colère, donc les grands tremblements. Donc au ninga na mabele ya makasi. Nous avons remarqué béni. Qu'est-ce que nous remarquons encore? Dans le quatrième sixième saut. Dans le sixième saut. Nous avons remarqué que le ciel les a roulés comme un livre. Tout moni mapata kolongwa lokola buku. Sixième saut esa. Le sixième saut contient beaucoup d'événements à l'intérieur. Or, le ciel s'est roulé comme un livre, se fera au jugement dernier. Et ça, dans Apocalypse 20, verset 11. Et cela se trouve dans Apocalypse 20, le verset 11. Nous faisons toute cette lecture pour montrer comment. Parce que le sixième saut. Parce que le sixième saut est bien ami la colère de l'agneau. Est appelé la colère de l'agneau. Donc, le point où ils ont le sixième saut. Dans le point qui sont contenus dans le sixième saut. Nous allons continuer à G. Nous dit que nous allons en G2. Je vais continuer à G. Mais dans une nous Apocalypse 20. Mais je prends d'abord Apocalypse 20. Dans Apocalypse 20, balobi boye. Dans Apocalypse 20, on dit ceci. Supposé verset. Na verset 6e. Si vous prenez le verset 6, l'écriture est le Bible. L'écriture dit ceci. Heureux et saint et ceux qui ont part à la première résurrection. Batone sengope ba santo ba oyo ba zue sika na lise kwa liboso. Résurrection ne va se faire avant 1000 ans et banda. Et cette résurrection se fera avant que le millénium ne commence. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà la dernière écriture et zoroba. Suivez attentivement l'écriture. Verset 6e. Le verset 6. Et le dit, heureux et saint ceux qui ont part à la première résurrection. Batone sengope ba santo ba ebasu esika na lise kwa liboso. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Liwa yami balé sali na nguya te likolo na bango. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu. Kasi bakozalaka banganga nzambe ya nzambe. Et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Pe bakodondwaka elongo na ye ba mibu koto moko. Bananyo bazo se kwa na ewana. Qui sont ceux-là qui ressuscitent en ces temps-là? Ezaba 144 000. Ce sont les 144 000. Bah ouais, bah bon.